Bonjour les amis, changement de décor pour cette nouvelle vidéo puisque je suis en vacances à Paris. Je suis Anne-Robin Caro, autiste Asperger et vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne. Je vous l'avais dit après avoir parlé de mes pathologies physiques, sensorielles et cognitives. Donc je vous fais une nouvelle petite vidéo sur plutôt mes bizarreries. Donc quelque chose de beaucoup plus léger en fait. Mais juste après, ça. Alors, on va commencer en premier lieu parce que je n'aime pas, et on verra, on finira par ce que j'aime. Je n'aime pas déjà les gens qui parlent beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai toujours une voix intérieure qui est très, très omniprésente. Et voilà, et à la fin, j'entends plus rien. Tout le monde parle, et mon intérieur, et les gens qui parlent d'eux. Je n'aime pas lire une notice. Alors une notice, ça me stresse, que ce soit pour monter un meuble, Ikea et autres. Donc vous imaginez le résultat, forcément, si je ne lis pas la notice. Et pareil, le manuel de ma voiture, je ne l'ai jamais lu. Je ne sais toujours pas me servir de mon régulateur de vitesse, par exemple. Je n'aime pas du tout les bruits de moteur, les bruits d'enfants et les bruits parasites de conversation. Donc je m'y perds. Je n'aime pas du tout les gens qui marchent derrière moi dans la rue. Ou alors les gens qui vous foncent dedans avec leurs écouteurs en train de regarder leur portable dans la rue ou qui slaloment entre vous comme si vous étiez un réverbère. Donc ça, c'est simple, ça m'énerve, j'ai juste envie de taper dessus. Tiens. Je n'aime pas et je ne supporte pas qu'on me touche, sauf quand j'aime très fort, vraiment beaucoup quelqu'un. Je n'aime pas manger avec des couverts en métal. Ça me donne des frissons partout d'avoir du métal dans la bouche. Les gens qui toussent. Je n'aime pas m'essuyer après la douche. Je n'aime pas m'agiter dans tous les sens. Et j'ai également horreur des gens qui sont hyper agités dans l'avion, dans les transports en commun. On est à peine attaché nos ceintures qu'il faut qu'ils se lèvent, qu'ils se baladent dans les couloirs. Ça vraiment, j'aime pas du tout. Ça me stresse. Je n'aime pas les conflits. C'est aussi pour ça que je n'aime pas trop les gens. Et je n'aime pas du tout les autruches et les émeus. Bon, bah maintenant, je pense qu'il est grand temps de passer à ce que j'aime. J'aime regarder la lumière se décomposer en plein de couleurs à travers du cristal. Mais quand je dis que j'aime ça, c'est que je peux y passer une heure ou deux à observer. J'aime tous les animaux, à part les émeus et les autruches. J'aime particulièrement observer pendant des heures les grands singes. J'aime beaucoup manger des bulots. Je peux en manger matin, midi et soir. Ça peut devenir pendant des semaines mon plat unique. J'aime me promener seule. J'aime chanter. J'aime danser sur des musiques qui me font vibrer. J'aime aussi l'opéra, beaucoup. Et j'adore marcher pieds nus. J'aime aussi les bruits de plage, hein, les mouettes, les vagues, les bruits mais diffus des gens, mélangés aux odeurs agréables d'huile solaire, de vanille, de coco. Alors j'aime vraiment le bruit du marchand de glace de mon enfance. J'aime l'odeur du goudron après une pluie d'été, après qu'il eut bien chauffé. J'aime surprendre les gens. Je crois qu'eux d'ailleurs ne me surprennent plus du tout. J'aime parler aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux insectes. Et curieusement, je sens qu'ils me répondent. J'aime aussi beaucoup ne rien faire du tout. Parce que c'est dans ce moment-là que toutes les idées m'envahissent. Où je suis imprégnée d'images pour pouvoir peindre ou d'idées, voilà, et où je me ressource également, c'est en ne faisant rien du tout. Voilà les amis, c'était mes petites bizarreries que je vous ai fait partager, et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Tchou.